Je sais que me réjouis de ne pas l'être là. Je veux dire que je me réjouis d'être ici. Parce que me hace mucho recordar cuando era pequeña y subí aquí en Mías. Ça me fait rappeler les souvenirs quand j'étais petite et je venais ici à Mías. Je vais vous raconter l'expérience que j'ai pu vivre il y a deux semaines. C'est au sujet de ma petite qui a 2 ans et demi. On l'a vu la rentrée en pédiatrie à Perpignan. On l'a juste rentré parce qu'elle n'avait qu'un bouton à la bouche. La niña no comía. La petite ne mangeait pas. Bebía, elle ne buvait pas. Y se le ponía de peor en peor. Et elle était de pire en pire. Los médicos dijeron, la vamos en perfusión. On va la mettre en perfusion. Me la guardaron. Et l'ont gardé. Subí con ella, probando darle de comer a la niña. On a essayé de lui donner à manger, la petite. Pero la niña no había nada que hacer. Mais il n'y avait rien à faire. La mano con los días que iban pasando se ponía hinchada. Les mains, les jours au fur et à mesure passés, ils gonflaient. Los médicos dijeron, vamos a quitar la perfusión para ponerla en la otra mano. Et le docteur a dit, on va enlever la perfusion et on va la mettre de l'autre main. Porque la niña no comía. Parce qu'elle ne mangeait pas. Y a mi niña, no, para poner la perfusión, la tiene como en dormir poniéndole una máscara. Ma fille, pour pouvoir mettre la perfusion, il faut la dormir avec le masque. Cuando le pusieron el masco, yo me puse a orar, no miraba que estaban los médicos. Moi, quand ils ont mis le masque, j'ai commencé à prier et j'ai pas regardé qu'il y avait le docteur à côté. Los médicos me dijeron, ¿qué haces? Et le docteur m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Y yo no, sin tener vergüenza, le dije que oraba a mi Dios. Et moi, sans aucune honte, j'ai pu leur dire que je priais mon Dieu. Entonces ellos me dijeron, pues sí, mira, si crees, ora en el Dios de la... No sé, me dijeron, el Dios de la fe. Entonces ils m'ont dit, si vous croyez, priez à le Dieu de la veine. Yo le dije, no, yo creo en mi Dios que se llama Jesucristo. Et j'ai dit, non, moi je crois en Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. La picaron en la mano y no llegaron, porque tenía la vena muy pequeña y se rompió. La vena était tellement petite qu'on la piquait en veine. Probaron otra vez más para arriba de picarla. Et je suis un peu plus haut. También se rompió. On n'a pas réussi non plus. Entonces dice, bueno, vamos a probar la otra mano más para arriba. Alors on va essayer de l'autre main un peu plus haut. Y yo le dije, mira, dejadme la niña. Alors je lui ai dit, écoutez, laissez-moi la petite. Dijeron, pero mujer, mira, tu niña no come ni bebe. Mais ils m'ont dit, mais enfin, votre fille, elle ne boit pas, elle ne mange pas. Y yo le dije, mira, acabo de orar a mi Dios. Et je lui ai dit, écoutez, je vais prier Dieu. Y yo sé que mi niña la puede sanar, y yo sé que... Et je sais que Dieu va la guérir. Et pour ne pas vous fatiguer. Et je lui ai demandé au docteur de sortir de la chambre. Alors il m'a levé la masque. Et la petite s'est réveillée. J'ai pris la petite. Je me suis assis, j'ai présenté les aliments. Y le dije, toma niña, come mamá. Et je lui dis, tiens, mange. La niña se puso a comer. Et elle a commencé à manger. Se puso a beber agua. Elle a bu de l'eau. A l'autre jour, para no cansarse. Et le lendemain, cogieron un médico cuando vinieron a su porque la niña comía. Et le docteur se effrayait parce qu'elle a pu manger. La abrieron la boca y la niña no tenía más nada. Il a ouvert la bouche parce qu'elle n'avait plus rien. Y le dijeron, mira, coge y vete porque la niña no tiene más nada. Et ils m'ont dit, tu peux la garder parce qu'elle n'a plus rien. Con Dios todo es posible. Oye a Dios, porque con Dios todo es posible. Amén.